côté moun qui sorti pour manger moun sur réseau pour pour Garibodo pour tout l'autre moun yo presque sur compte yo côté moun ça yo m'ba le fort tendon vérité et m'a regarder pour moi est-ce que après ça fin tendé est-ce qu'on toujours gagne même position gagne je vais voir moi pral tester ou m'ba le comportement ou parce que moun nèg pile nan nous là qui dit Garibodo innocent qui dit tel ou tel Wani Celeste innocent qui dit Hervé Fouca innocent qui dit comment l'autre encore tout l'autre moun yo Jean-Henri Seyan et autres nous dit yo innocent pas vrai on va le faut attendre Jean-Robert Bossé qui c'est un député ou bien un ancien député ça veut dire monsieur était en bas l'autre Garibodo monsieur était contre toute sa Garibodo t'a fait toute sa Garibodo t'a mené. Donc en tant que député aussi monsieur connaît mouvement tout nèg qui fait partie de parlement ou encore tout nèg qui passe en bas m'bra le est-ce que après fin tande est-ce qu'on a le même comportement est-ce qu'on a toujours envie de défendre nèg ça yo défendre tête tout tande défendre tête ou pito tande ou nèg pas ka passer nan tête chambre député a nan tête sénat pour le bon monde ni pas ka pas corrupteur. Ça veut dire ouais, Joe Lambert, Yuri La Tortue, Ronald Larèche, Kelly Bassier, qui est-ce quoi? Et de m'citer non, moun qui passe comme président Sénat déjà. Yo pa ka bon moun. Parce que moun sa yo, yo doué gagner la capacité ou encore la faculté de négocier. Négocier qui ça d'après vous? Nous pas le causer. M'vlon kopren sa kap di la. M'vlon kopren sa kap fait la en Haïti. Pa jem met nan tête son ti bagay li, on bagay li jelye. Jusqu'à présent, poko genye on bon entente pou konnen ki es moun, ki es pays kap pren leadership contingent ki ta dwe rive la en Haïti avant 10 janvier. Oui, Canada se li même kap tire ficelle yo, mais jusqu'à présent, poko a 100% d'accord pou se li même ki lead. Contrairement à agence atelier dans mois passé yo dans mois ça il y a plusieurs pays qui acceptaient pour que yo voye soldats yo vini en Haïti parce que commencer go amélioration commencer guiné qui en bas section moun qui était constitué bras économique en armement pour bandi yo moun sa yo yo commencé affaibli donc wa pour gen go série de pays qui acceptaient pour yo voye soldats mais yo poko d'accord pour que yo prend tête mission an. N'a fourni j'ai gardé pour comment nous y nous en forme n'a kembe comment ça est pour nous diaspora bio ça qu'a fait m'espérer n'a kembe m'connais un chagrin m'connais t'as envie rentrer ou a regarder décembre ou a regarder fin d'année ou regarder regarder comment fwe di a kokobe ou l'a craquer zo oui yo di gen fwe di en Haïti mais en Haïti et pas fwe di gen non on dit pas fait fwe non li fait bon en Haïti c'est l'heure lever 3 4 heures du matin. Vous comprenez? Là où tu as dit, mes amis, gardez-vous, frère, dit, mais non, je connais pour même diaspora. Je dis, wow, il fait bon. Je connais, pays a manqué en pile. N'a pas goûté, n'a pas bataille. Parce que, fuck, ou retourner dans le pays où vous venez prendre plaisir. Fuck, nous venez prendre légumes, non, fuck, nous venez prendre la loi. N'est-ce pas que vous mettez en otage? N'est-ce pas que vous mettez en campagne, pas proche, dans le propre pays où? C'est dingue. Vous êtes connecté ensemble avec nous, vous êtes entré la caillou. Channel la c'est Haïti réflexion, j'en toujours présenté ou li ou konnen déjà ou habitué ensemble avec lui. Et pas ça. Et puis ses amis ou frères Esdras Fizeme qui entre la caillou. Nous pas le font ti causer un petit bat de bouche sur ça qui a passé là en Haïti et on comprendre réalité yo. Laurent Salvador la mort monsieur porte plainte. Monsieur porte plainte pour Canada. Monsieur a déposé une plainte dans la cour fédérale canadienne. Côté monsieur continue à clamer innocence li. Il y a plusieurs toujours. Hein? Yo pral suivre en la botte, yo pral déposer plainte tout. Yo va la tout marrer yo. Mesdames messieurs, Jean-Robert Bossé qui t'a participé nos émissions avec Marie-Lucie Bonhomme. Côté monsieur expliquer la réalité de la politique en Haïti, monsieur expliquer les tournants de la politique et ou ap comprenne vraiment le la pren aspect sa yo ou pral rive comprendre la politique en Haïti comment elle fonctionne.
Là me soit fait cheminement, là prend courbe, là explique, là montre ça qui là. Ou à comprendre. Et pour moun kap defon Gary Bodo yo. Bon nous pas songe séance qui t'est faite là. Séance mise en accusation Jovenel Moïse là. Et pas de l'argent Jovenel te bay nous pour Gary Bodo te ka fait séance ça. Ah, ou pap quoi et fanatique ou yo même. Et pas de l'argent Gary Bodo fait dans séance ça. Nous tout nous songe. Et pas de bagay non. An suiv. Ou bien entendez yon extrait dans émission ça. Côté Jean-Robert Bossé, li t'a parlé de la réalité politique en Haïti, comment fonctionne le parlement, elle t'a parlé aussi de Gary Bodo en suivant ensemble. Yo prend commission par remettre le reste là et moi-même m'acheter, me dépenser comme en plus, me dépenser 350 gouttes pour m'acheter chèque de direction pour me remettre 950 000 gouttes à l'époque. Donc c'est pour preuve pour me dire que moi-même j'ai des éléments dans mes mains. Et après, et Madame Bonhomme, ce n'est pas 2-3 millions seulement liés, c'est des dizaines de millions qui ont passé dans la Chambre des députés, dans mes députés. Et ça, je vous le dis, et c'est ça qui est extrêmement grave. Secteur privé des affaires, là, Madame Bonhomme, l'y occupé totalement le Parlement haïtien aujourd'hui. L'y contrôlé totalement. Et c'est très clair que gagner de l'argent, si vous allez chercher dans le circuit public, vous allez venir. Parce que ça vous fait un mouvement Saint-Siron qui fait. Vous dites, écoutez, ou même vous avez droit de main, dégagez, vous avez 50 députés pour gérer. Ou même qui sont en main, ou avez DGI, ou bien ONA, ou même vous avez géré 40, vous avez géré 20. Laissez-vous, vous avez une motocyclette là-dedans, vous avez une jury, vous avez dit, vous avez Simon Gouniam, parce qu'on a fait Simon, mais Simon vient très parler de lui, vous avez un toll, etc. Donc c'est comme là pas forcément sorti pas forcément public, le hein. Plus souvent pas forcément sorti là-dedans gagne gon parti qui sorti mais gon parti c'est secteur privé des affaires là qui ou songe avant sous look yo t'a pratiqué la doublure etc. Mais je dis ça plus que doublure ou konn moun sa yo qui a fait des largesses comme ça avec le pouvoir non yo. Mais bon non qui populaire que tout le monde connaît c'est les jury bon goût hein. C'est lui qui patron, chef dans la Chambre des députés. Aussi simple que ça. Patron, chef. Ah oui, c'est lui qui a du riz, a eu motocyclette pour faire campagne. Patron, chef. Laissez-moi dire. Il est totalement impossible, Madame Bonhomme, pour un monde honnête, intègre, arrivé président Chambre des députés, arrivé président Sénat. Moi, je dis plusieurs fois déjà. Moi, je dis la soeur. Dans l'ambiance nous est là. Même président bloc ou pas facile. Faut que ce monde qui vont négocier, qui calme dans le palais. Bon, vous imaginez le député Bossé capable, président bloc? Et dans le rêve, vous d'avez ça? Non, là, c'est pas ton chambre député, c'est Gary Bodo, de Gary Bodo à palais. En fait, c'est le président chambre député. Oui. Même jour, un monde qui est honnête, pas qu'un président chambre député. Dans l'état actuel, que bah, yoye, il est impossible, totalement impossible. Mais Gary Bodo, son personnage va trop aimer. Qui est-ce? Gary Bodo. Qui est-ce qui va aimer là? Moi-même? Non, pour ça le faire. Pas lui-même comme moun. Pour ça, parce qu'il a traîné le pays dans la boue. L'a traîné le pays dans la merde. C'est aussi simple que. Jean-Robert Bossé a tout dit. Mais laissez-moi vous dire. Gary Bodo, c'est un monde qui t'a paraît. Yo te tellement wè avenir nan Gary Bodo. Yo te tellement wè espoir nan Gary Bodo comme un jeune fougueux. Yo te tellement wè sou nèg espoir pays a te ka reposer sou dol. Combien moun la ou wè ki nan tout saloperie nan pays a alors que en pile nan nou te met confiance nan yo. Gary Bodo sa m'ap di ou la zanmi, c'est nèg. Nous songe Wyclef Jean t'a expliqué. Non, Valérie Numa t'a expliqué. Pendant là avec Wyclef Jean. Et puis Gary Bodo, il t'a participé nos réunions. Après ça, il mande l'étiquette. Ouais, jeune ça, faut bon moi. Monsieur chargé à venir, monsieur bourré à venir, faut bon monsieur. Et qui t'aime dire où? Gary Bodo t'es responsable vraiment. On parti non, nous songe le Wyclef Jean t'est venu. Monsieur des gon bagage jeune corée jeune bon côté vagabond te prend yo virer nous songe ça ou te dit on prend jeune fait jeune bref donc il était wè nan Gary Bodo yon moun yon étoile
Mais oui, monsieur son étoile, dans ce sens pas, dans le monde pas là. Oui, monsieur son étoile. Parce que monsieur sourait pas monsieur comme président chambre député. Pour quand c'était l'argent gagoté dans chambre député, ça son bagaille grave. Pour l'argent qui gaspillé, gagoté dans chambre député, ça sous règne Garibodo, son bagaille crève-cœur. Son bagaille inexplicable. Qu'est-ce que c'est ici? Garibodo, mesdames, messieurs, monsieur pas bon moun. Et ou tande, monsieur dit ou quel que soit moun nan, ou pas ka président, ou pas ka honnête pour président chambre député, ou pas ka honnête pour président sénat. Tant que le calmura kantav, Dieu seul Simon derrière, Dieu seul Simon derrière a montré ou. Monsieur montré ou, on a quitté sénateur, on a quitté président assemblée nationale, ou a comment monsieur traîné jusqu'à celui-là pour un petit job ministre environnement. Nous t'en songe bagay ça. Vous comprenez ça? Ça veut dire, de vous parler de question pouvoir en Haïti, la, tout ça n'est la tégué d'honnêteté, tout volé. C'est comme si son de l'eau chaude vide sous lui, tout calme qui était sous lui, tout net volé. Vous pensez avec un tel comportement, nous capables de continuer à garder, à fournir, à garder mon yo? Bon, on a nos réalités, mesdames, messieurs. Je dis à ma parole, voilà, je dis à 23 décembre. 23 décembre, on garde un pays. On garde dans qui état on paye. On nous réfléchit, l'arrivée dans la période, ça comment la rue Port-au-Prince qu'on y est. L'arrivée 23 décembre, la veille 24 décembre, parce que pas oublier, 24 décembre, c'est lui-même qui fête en Haïti. Debout, arrivé dans la semaine 18-19 décembre. C'est réveillon, soirée gala, c'est fête, c'est activité. C'est agap, c'est toute activité ça qui qu'on gagne pendant la période. Depuis le 18 décembre, 17-18 décembre. Ça veut dire toute nuit, moun nan la oui. Ou pas de compte peur. Mais je dis là, moi ma fou ni j'ai gardé 24 décembre comme la oui à pied. Gros 24 décembre. C'est pour vous dire. Dans l'état nous est là, dans la situation nous est là. Nous pas même qu'on comment pour nous kembe situation. Nous pas même qu'on nan qui prête pour nous kembe. Tellement bagay la red, tellement bagay la grave pour nous. Qui ça n'a fait? Qui ça n'a dit? Kote n'a pied? Kote n'a prend? Qui route n'a fait? Qui chemin n'a emprunté? Je dis là, ou ta dit, ou bral ka ou moun ou dit, fait un cadeau. Tant qu'ou fait Daniel, ou ta dit, ou ma fait un cadeau. Mon cher, ou konne moun n'a réfléchi 50 000 fois, l'a dit ou. L'étape sa t'il plus à l'aise sous balcob là? Ou t'as envie d'acheter un parfum pour lui, qu'est parfum pas de nécessité là. Et pas parfum, on a besoin là. Ou t'as dit, ou t'as acheté un robe, un pantalon, un soulier, un tennis, fait le cadeau. Ok, ça t'est qu'à arriver, ou acheter le bas livré, li t'est qu'à gagner nécessité rad la tennis, l'en soulier à vrai, mais ou pas passer sous balcob là, t'as pi bon pour lui. Je dis là, ou vin pas comprendre comme si, même au cadeau t'as envie de faire, ou pas capable. Ou plus envie de dire, non, bon, comme là, ou a fait sauve la vel pito. Parce que le plus nan nécessité kobla que tout bagay. Nèg yo créé yon climat pour yon déshumanise ou. Tout ça ou te ka fè pou mette ou non situation correct, yon retire yon privo de tout. Bon, yon tap montre mon vidéo kote on équipe haïtien qui a vive Babalo, je crois. Nou konne, période nuit là, c'est période fin d'année, ti bonus ap tombe, ou kompren, payroll a fait bonus ap tombe. Aïssé sa yo kap travay nan construction. Yo gon kob. Kob bonus yo, yo de paye yo, et puis tout bonus deye, etc. Ou kon sa maet yo fe? Yo ele yo maet se foreman travay la ou bien maestro ou bien kon sa. Ou kon sa yo fe? Nan jou pe wol la, jou paga même, jou pou yon yo touche ya. Ou kon sa yo fe? Yo rele immigration. Gon ling machine immigration ki base nan zone côté payroll la fête là. Donc c'est deux bagaille. Soit que yo à cause machine yo ki la haïse pap ka vini, donc parce que y a déporté yo, ou bien yo automatiquement yo fin pran cob la agent immigration tout prend yo déporté yo. Si yo pa vle yo déporté yo cob ça ki nan men yo y a obligé bay tout. On façon pour passer décembre sans un goud. Est-ce qu'on comprend? Pas que moun non kap defann doyo pou sa.
non cap camper cap dit oui mes amis ça pas bon c'est trop bateau pour ça n'a fait haïtien ou ça pas gagne monde cap camper près défense yo ou pas ouais ou pas penser nous doit dire sans être trop bon faut suivre ensemble yon un citoyen qui t'a expliqué situation t'a filmé ouais ouais quand c'était machine qui garé quand c'était machine immigration qui garé yo bagarre la du mais qui action nèg yo fait en dans babalo qui action nèg yo fait en dans babalo yo fait nèg travail yo fait haïtien travail nèg a travail pour toucher chaque mois mais kou, yo di a payer pour 22 mais pour 22 yo di a payer mais qui ça yo nèg yo fait yo vini djena avec camion immigration yo nèg yo vini djena avec camion yo nan moment gen pag la nan moment y a fait payroll la yo vini avec 2 4 5 camions pour venir pour venir boter haïtien yo tout yo campé là yo di pa gen moun ki ka déraper avec yo mais exactement mais qui ça yo fait en dan pueblo babaro mais là vay men a bal zou même yo Mayo. Mayo. Non, normalement tout le monde qui travaille là c'est mon qui gagne. C'est parce que nous pas gagne pays, nous pas gagne dirigeant qui fait nous venir faire construction ba yo. Et puis au même dans moment les pour yo pays nous mais qui ça yo fait c'est chef yo ba nous. Et mais tout haïtien au campé là, il dit pas gagne monde qui ca faire monter machine là. Pas gagne monde qui ca faire monter camion. Men. Est-ce que vous faites un travail et d'ailleurs, c'est comme ça. C'est comme pour payer Kai, payer Bill. C'est comme tout pour voir Haïti. Pour faire petit famille, petit ami. Vous comprenez? Madame, petite, ménage. Passer une fête fin d'année de façon plus ou moins décente. Mais où est-ce que vous faites? Yo, nous vivons une situation. Nous vivons un moment là. Je demande est-ce que c'est pas un moment qui est crucial dans l'histoire nous-mêmes haïtiens. Pour gens y a traité à travers le monde, pour gens y a comporté yo avec nous à travers le monde. Mon a fin travail au lieu pour payer ou passe son façon ou créer un gens ou reler immigration ou faire immigration vini vini prendre pour déporter juste pour capable payer. Et c'est toute bagarre ça yo qui fait. Le États-Unis pressaction contre la République Dominicaine pour ça qui gagne ouais avec et sucre qui pas ca sortir République Dominicaine entrer États-Unis encore. Et c'est pour toute raison ça oui parce que yo fait un série de haïtiens travaille dans plantation canne. Là arrivé pour payer yo, y aurait l'immigration pour yo. Ça veut dire fait faire travaux forcés et yo pas payer yo. Et tout ça, si nous pas gon paquet corrupteur dans pays nous. Si nous pas gon paquet malandré dans pays nous, c'est corrupteur yo ye. Ou pas sen dap nan ça? Tout haïtien ça ou t'a prête la caillou oui, toute construction ça ou ka fait là. Et d'ailleurs en pile dominicain dit pas de construction en République Dominicaine sans la présence des haïtiens. Yo konn ça, yo reconnaît ça. Alors tout ça yo, l'op gade toré qui construit en République Dominicaine, l'op gade comme si niveau de construction qui gagne. C'est pas si n'a fait en Haïti. Bon, qui t'a me dit ou? Nous connais gen haïtien là qui gagne résidentiel en République Dominicaine, ça veut dire qui cap construit des tours. Ça en anglais te ka dit tower. Ou comprenez? Gen des haïtiens tant qu'on Ronnie Celeste gagne oui en République Dominicaine. Monsieur gen tower. En République Dominicaine. Est-ce que vous comprenez? Nèg la gagote l'argent en Haïti. Au lieu vous de prendre l'argent pour l'investir là, dans le pays. Pour le créer possibilité pour mon travail. Non. Là, le fait blanc vivre. Pito. Haïti, toi sale pour le mettre. Donc, gon niveau de développement qui pas semblé Haïti. Gon niveau de construction qui pas qu'a fait Haïti. C'est en République Dominicaine pour le fait. Ou quoi comprendre? Et c'est même nèg sa yo k'ap di remi Haïti. C'est même nèg sa yo k'ap di ou yo remi Haïti, ou yo prè la pour député, pour sénateur, pour tout poste en pays, pour président de la République. Mais là yo fin gagoter l'argent.
Dè yo fin pran tout l'argent yo, yo pa ka investi en Haïti. Haïti trop sale. Mais nan ki situation nou ye? Ariel Henry, moi monsieur li sot fè une graduation. Bon, est-ce que m'a dit sot fè une graduation? Environ 400 soldats FADH intégrés l'armée. Donc 400 jeunes yo intégré FADH force les forces armées d'Haïti. Nous va faut suivre Ariel Henry dans quatre discours li côté il t'a bat bravo pour initiative si là. Côté 400 nouveaux soldats pour intégrer l'armée. Bon, qui l'armée? Na yo déjà pas ka équiper la police. Yo déjà pas ka bay la police manger. Actuellement là, ou pa kon combien mois yo doué la police, donc c'est de employer la mairie et autres ona ou AVCT. Ou pa kon combien kòb yo doué yo, mais kounya là, y a meté soldat. Moun yo va le faire mourir gangou, yo va le faire la fin touye yo, ki moun vieux zam nan men yo tout lou, pour al traîner pas même ka, yo pa même ka manger. Bon, m'pense c'est réalité ça nous pral gen pou nou vivre. Mais on suit comment ça t'ayé, comment ça t'a déroulé, cérémonie de graduation. Et côté 400 jeunes, 400 nouveaux jeunes ont intégré les forces armées d'Haïti. En suivant ça. Pour féliciter le haut état-major sur la participation du corps des génies dans la réhabilitation du tronçon de route compris entre le carrefour Cazo et Bon Repos. Dès que nous aurons restauré l'environnement sécuritaire indispensable à un retour au fonctionnement normal de nos institutions démocratiques. La demande sera grande pour une armée offrant davantage de services dans divers domaines à la population. L'état-major devra vous préparer à y répondre à la satisfaction de nos compatriotes. Je constate avec plaisir que cette promotion compte des femmes. 92 femmes sur un effectif de 409 hommes, soit 23%. Ceci constitue un pas dans la bonne direction. Les forces armées d'Haïti font mieux dans ce domaine que plusieurs autres administrations, mais c'est toujours insuffisant. Au 21e siècle, les femmes qui le souhaitent doivent avoir leur place dans les différentes unités de notre armée, y compris dans les unités combattantes. Je ne demande pas à l'état-major d'aller immédiatement vers la parité, mais je crois que nous pouvons faire un peu plus de place à nos sœurs et atteindre les 33%. Compte tenu de la précarité de nos ressources budgétaires et de l'énormité des besoins et des attentes de la population, les moyens mis à la disposition de l'armée restent encore très limités. À l'avenir, les gouvernements successifs devront eux aussi à se pencher sur ce problème et à chercher les moyens tant au niveau national que dans le cadre de la coopération internationale en matière de sécurité, en vue de mettre l'armée en situation d'accomplir ses missions. Je saisis cette occasion pour exprimer notre gratitude aux pays amis qui nous apportent leur soutien dans la formation et le perfectionnement de nos recrues.
pas connu qui avenir yo gagné, m'pa connaît également qui soit ka espérer de yo. Seulement connaît tout pays qui a fonctionné li besoin l'armée. États-Unis grande puissance li aujourd'hui là, c'est parce que le gon l'armée qui en forme. Tout peur États-Unis pas parce que seulement les États-Unis, mais c'est parce que yo connaît le gon l'armée qui a détruit plusieurs pays. Et ça que yo gen tout créatif ça. La Russie aujourd'hui là qui a attaqué Ukraine, c'est parce que le croit dans force l'armée là. Et Ukraine qui a résisté là, c'est parce que lui même tout li kouel gen l'armée, il gen moyen assez pour résister. Fok ou gen l'armée. Et nous te gon l'armée, si n'a parlé de l'armée indigène. L'armée indigène à nan époque là, elle te fait partie de une pi grand armée que te gen nan époque là. Donc nous gen culture pour nous gen bon l'armée, nous gen culture pour nous faire bon bagay. Maintenant, est-ce que autorité nous a ba nous moyen pour ça? Est-ce que international là, parce que go ba ou de konnen là tout? International la pas fou. Il pas enragé. Li songe ça l'armée indigène te fait. La difficile pour équiper nous, pour aider nous comme si gon équipement, gè des équipements normal qui approprié pour gagon l'armée tout bon. Tendez bien ça me dit a. Songe l'armée indigène te bat yo. Ba ça arrêté dans tête yo comme un séquel et me pas sûr, il a pardonné nous. Donc le c'est instructeur américain ou bien le c'est instructeur étranger ou bien occident qui a vienne former militaire nous yo, faut que nous mettel en doute. Malgré qu'elle dit non, c'est des professionnels. Écoutez. Songe yo toujours dit ça. Blanc pap j'aime remé pour insolence sous tes fers. Insolence indépendance ou bataille 18 novembre 1803, yo pap j'aime pardonner pour lui. N'ap suivre, nous espérer gros bon Dieu qui a campé pour nous dans toutes circonstances, dans problèmes, dans calamités. Laisse arrête nous espérer. Guillaume bon Dieu qui a campé pour nous, qui a battu nos directions, encore qui a traîné nous dans la bonne direction. Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs. M'te content ensemble avec vous. M'te content partager mon sol la parole ensemble avec vous. Chaque fois, nous avons moyen pour nous faire ça. Chanel, là, c'est Haïti Réflexion. Zami qui avec vous, c'est Esdras Fizemi. Pas oublier partager, quittez un like, un commentaire pour travailler là lui-même. Li capable avancer pour travailler là, li capable aller plus loin. Bye bye tout le monde. Restez positif. Je vous passe un très bon week-end. N'ap croiser prochainement pour une autre vidéo.